Nang's Reborn. Waouh! Mais c'est extraordinaire! Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes bel et bien sûr Nang's Reborn! Et en dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si nous vous posons cette question, mes frères et sœurs, de savoir, dites-moi, mes frères et sœurs, dites-nous, que serez-vous prêt à faire pour vous sentir bien dans votre peau? Que serez-vous prêt à faire pour vous sentir à l'aise dans votre peau? Aïe là 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 là. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui se détestent, qui ne s'apprécient pas beaucoup. Je vous parle de quelque chose. Même quand elle se regarde dans le miroir comme ça, elle a l'impression que elle n'est pas encore arrivée, elle n'est pas encore ça. Elle est belle, mais il y a quelque chose qui manque sur elle. Ah, mes frères et sœurs, si vous êtes dans une telle situation, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, gardez votre calme. Gardez surtout votre calme. Ne vous perturbez même pas. Si vous êtes né et que vous avez une peau noire, ce n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Parce que c'est Dieu lui-même qui vous a créé ici. Et c'est à applaudir. Applaudissez mes frères et sœurs. Bon, puisque le potentiel de ma mère ne peut pas applaudir, mais il y a quelque chose que nous allons vous montrer tout à l'heure, ça va être chaud. Ok. Mes frères et sœurs, si vous êtes né rouge, ce n'est pas une malédiction. C'est aussi une bénédiction. Il ne faudrait pas que la couleur de votre peau vous incite à vous mépriser, à vous diminuer, dévaloriser, dire que vous êtes inférieur par rapport à d'autres personnes ou d'autres. Non, ce n'est pas une chose bonne à faire. Et il ne faudrait pas que la différence de la peau nous incite, nous les humains, à se rejeter. Ce n'est pas bien. C'est tout sauf bien. Et il y a beaucoup de personnes, pour se faire accepter de la société, ont décidé de faire tout ce qui est à leur possible pour paraître belle, pour paraître beau. En tout cas, pour paraître exactement comme elles aimeraient être, pour se faire accepter ou encore avoir du succès dans leur domaine. Mais ce n'est pas toujours positif. Pour y arriver, le diable a décidé de les aider. En quoi faisant? En inspirant certaines personnes à créer des produits chimiques qu'ils appellent des pommades, même des piqûres, pour se dépigmenter, pour se changer la peau, changer la couleur de leur peau. Et ce changement-là n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans risque. C'est risqué. Je vous parle de quelque chose. Aujourd'hui, la fille se lève, elle va dans un magasin, elle voit une pommade, elle ne sait pas comment ça s'appelle parce que sa camarade a utilisé la même pommade et que ça marchait chez elle, elle s'est dit que ça va marcher sur elle. Elle va tout simplement utiliser la pommade, elle va commencer à se frotter dans la douche ou dans la maison, dans sa chambre. Elle va même mettre le ventilateur sur elle pour que le ventilateur la souffle. Parce qu'elle, elle veut tout simplement avoir une peau jolie afin d'attirer l'attention du monde entier et de séduire le monde. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Quand on parle de perdre son âme, sur la tête déjà, ça se ressent. Une femme a utilisé une pommade, ce n'était pas la pommade qu'il faut et elle ne savait même pas comment était fabriquée la pommade. Tout ce qui l'intéressait, c'était comme elle est devenue violet, orange, blanc, vert. Mais finalement, là, elle est devenue de tout réuni.
et sa peau a commencé à s'enlever. Ça, c'est triste. Ça, c'est grave. Même quand vous allez sur Google et que vous tapez, par exemple, vous tapez les conséquences de la dépigmentation, ce que vous allez voir comme image risque de vous étonner. Nous avons voulu prendre des images là-bas pour envoyer ici, mais c'est tellement choquant, ces images sont tellement choquantes que nous avons préféré vous présenter de belles images des personnes célèbres qui sont devenues très jolies. Vraiment, mais on sent qu'il y a une différence entre le passé et leur présent. On ne peut pas parler de leur futur pour le moment, mais et leur présent. Et cette différence-là est assez impressionnante. Mais nous devons savoir que la dépigmentation n'est pas sans conséquence. Avant de voir ces images qui vont venir, nous allons vous dire que Dieu, il est vivant et il nous voit tous. C'est lui qui a créé les humains et il aimerait que les humains suivent ses voies ou encore ses commandements. Même sa parole nous en dit long sur le sujet. Et Dieu, il est bien. Il est tellement bon que quand l'homme perd la vie, c'est-à-dire quand l'homme rend l'âme, quand son temps est venu, bien entendu, Dieu envoie ses anges pour venir chercher cette personne. Et quand Dieu envoie ses anges pour venir chercher cette personne, et que les anges arrivent, les démons aussi viennent. Et quand les démons viennent, ils chercheront toujours à faire fuir les anges en vous accusant, vous, d'être pécheur, de sorte que les anges, eux aussi, ils puissent tout simplement vous fuir. Parce qu'effectivement, vous avez des choses sur vous qui appartiennent au diable. Ici, quelle est la chose qui sera sur nous qui va forcément appartenir à Satan? C'est cette peau, cette nouvelle peau que nous avons sur nous. Cette nouvelle peau que vous avez sur vous va faire en sorte que les anges ne vont pas vous accepter dans le royaume de Dieu parce qu'ils vont se dire, mais vous auriez dû rester à la naturelle sans vous dépigmenter. Qu'est-ce qui vous a poussé? Mes frères et sœurs, regardons ces images et vous allez comprendre au mieux ce de quoi il s'agit. Regardez la première image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une très belle femme. Là, c'était son passé. Mais de l'autre côté, c'est son présent. Ou comment elle était il y a quelques années. Quelle est la différence entre les deux? On va dire que la différence, c'est sa nouvelle coupe de cheveux. Et elle s'est mis des produits de beauté, comment on appelle ça? C'est du make-up sur le visage. C'est uniquement ça la différence. Est-ce que c'est dépigmenté là? Ce n'est pas visible. On peut dire que c'est juste, elle a mis juste du make-up pour s'embellir ses taux. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, elle a été séduite par ce qui se trouvait, ou encore ce qui se trouve dans le monde, comme les make-up, et elle a mis sur elle, sans savoir que le diable aussi est dans le monde, et que nous, les humains, nous ne devons pas aimer le monde. Ah, parce que le monde est vraiment influencé par le diable et ses démons, et c'est là qu'il faut faire attention. Mais pour plaire à tout le monde, certainement, elle a dû faire ça pour paraître encore plus belle, afin de séduire son public. Plus loin, on voit encore un homme très connu, qui n'est plus de ce monde, malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la première image, on peut voir combien de fois il était beau avec sa couleur noire. La couleur de la peau noire, franchement, pour moi, c'est la meilleure. Bon, je vais t'aider si je dis, c'est pas bon. C'est bon. Je dis pas que c'est la... Bon, il n'a rien dit. En tout cas, vraiment, c'est beau. C'est joli. Vous êtes d'accord avec moi? C'est joli. La couleur blanche aussi, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Quelle que soit la couleur de votre peau, vous êtes extraordinaire. Ça veut dire quoi? Vous devez vous accepter tel que vous êtes. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Mais ici, il y a une mutation. Cet homme, en principe, devait rester à avoir au moins un grain de cette couleur. Mais il y a eu une mutation, il y a eu un changement. Un grand changement, un changement terrible. Pourquoi l'a-t-il fait? D'après les informations que nous avons reçues, on nous a dit que pour pouvoir avoir du succès dans ce qu'il entreprend dans sa musique, il a décidé tout simplement de le faire. Ah! Est-ce que ça plaît à Dieu? Ce que nous vous disons aujourd'hui, c'est que si vous préparez à faire une dépigmentation, arrêtez. Dieu veut vous voir à la naturelle. Et la dépigmentation risque d'être
une occasion de chute pour vous ou encore pour votre âme. Regardez encore cette image. Y a-t-il une différence entre les deux? Je pense que oui. Regardez la première image. Ici, cette fille, elle était jeune. Là, elle est jeune. Bon, on peut dire ici, elle est plus jeune. Là, elle est jeune. Si tu dis elle est vieille ici, là, mon frère, c'est que tu as des problèmes. Là, elle est jeune. Mais, il y a quelque chose qui a changé. Au niveau de ses lèvres, on voit que ses lèvres ont grandi légèrement. Or, en principe, vu la taille de ses lèvres qui sont ici, ça devait quand même garder une certaine forme quand elle serait devenue un peu plus grande. Ça veut dire qu'il y a un changement. Est-ce qu'elle a mis... Est-ce qu'elle s'est dépigmentée? Ce n'était pas nécessaire parce qu'elle-même, à la base, elle avait une couleur qui lui plaisait. Vous avez vu? Si elle a aimé la couleur de sa peau, pourquoi toi, tu ne veux pas t'aimer tel que tu es? Aime-toi comme tu es, ma soeur. Ici encore, on peut voir que elle a mis des make-up, elle a mis un peu de trucs sur elle, rien que pour paraître plus belle que belle, parce que c'est la société qui impose cela. Non, il faut suivre ce que Dieu te dit, parce que c'est ce qui va te conduire au ciel. Dans la prochaine image, sans doute vous avez vu, regardez, cette fille que vous voyez à l'écran, elle était elle aussi noire. Vous regardez sa couleur. Là, on peut dire que c'est plus noir que noir. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle n'est pas jolie ici? Elle est très belle. Elle est très belle. Elle est très jolie. Mais on peut voir clairement que ici, c'est le jour et la nuit. Est-ce qu'ici, elle est vilaine? Elle est plus belle que belle. Mais si Dieu doit choisir entre les deux, il choisira la photo qui ressemble à sa photo naturelle. Comment elle est née? Quelle est sa couleur de la peau originale? Ça peut vous paraître bizarre. Mais c'est ce que Dieu, il aimerait voir sur vous. Ne vous laissez pas influencer par le monde. Ne vous laissez pas influencer par tout ce que vous voyez au point où vous irez tout simplement vous dépigmenter. En plus que ici, ça dépigmente. Bon, est-ce que c'est dépigmenté? Bon, c'est possible. Mais ce changement-là n'a pas eu d'effet négatif sur elle, a priori, c'est-à-dire à première vue. Mais ça peut avoir des conséquences. Il y a d'autres personnes, même, on voit leur peau, on appelle ça la peau blanche. C'est-à-dire, ta première couche noire, la première couche de la peau noire qui est sur elle, c'est-à-dire, ça disparaît, c'est-à-dire, ça s'enlève. Et tu vois qu'il y a une autre couche qui apparaît en bas. Et ça, c'est dangereux. Ce sont les conséquences de la dépigmentation. Faisons attention. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit clairement une femme qui est noire. Mais il y a eu changement. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Est-ce que des deux photos, où elle est la plus belle? On peut dire que des deux côtés, elle est la plus belle. Elle est belle dans les deux côtés. Elle est vraiment belle. Il n'y a pas à dire. On ne peut pas vous mentir pour vous dire qu'elle n'est pas jolie comme ça, non. On ne peut pas vous mentir. En fait, elle est jolie. Des deux côtés, elle est belle. Mais ici, nous sommes en train de vous dire que si Dieu doit choisir entre votre nouvelle identité et l'identité qui lui ressemble comme il vous a créé, il choisira là où il vous a créé. Ici, vous ne pouvez plus revenir en arrière parce que vous êtes allé très loin. Et là, il va falloir vous repentir et demander à Dieu de vous aider dans cette dimension parce que lui seul peut le faire. Parce que le simple fait d'avoir perdu ta couleur de la peau à la naturelle, le simple fait d'avoir perdu cette histoire, franchement, c'est déjà un problème. C'est comme quelqu'un a dit que tu as péché. Et toi, tu dois te repentir. Si on t'a pas encore dit ça, nous allons te dire la vérité pour sauver ton âme. C'est ce qui nous intéresse. Regardez ça. Ouh, est-ce la même femme? Là, c'est clair, ce n'est pas la même femme. Il y a une grande chose, il y a une grande différence. Vous voyez, vous êtes jolie à la naturelle. Moi, quand je les regarde, je pense qu'à la naturelle, elles sont belles. Mais pourquoi aller se changer de la peau? Assurément, elles ont été influencées par la société. La société impose parfois certaines choses assez compliquées. Et c'est ce qui les a poussées à changer de nature
Or, à la base, elles sont jolies. S'il vous plaît, faites attention. La dépigmentation, toutes ces choses peuvent être vraiment très dangereuses. Ça peut être vraiment... Ça peut vous coûter la vie. Faites attention. Il y a beaucoup de femmes qui regrettent d'être cette dépigmentée. Mais c'est malheureusement, elles ne peuvent plus revenir en arrière. Elles aimeraient retrouver leur peau, mais c'est trop tard. Parce que la dépigmentation a tout détruit. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici une fille également. On a l'impression que là, c'est la base et ici, c'est le changement. Qu'est-ce qu'elle a reçu de nouveau? On peut dire que par rapport à ses cheveux, elle a reçu des cheveux teints. Ses cheveux ont été colorés. La couleur que nous mettons dans les cheveux là, nous avons découvert ici dans les témoins puissants que c'est interdit, Dieu ne permet pas cela. Et même des démons prennent plaisir à torturer toutes les femmes qui se sont teint les cheveux, qui sont décédées et qui sont en enfer à ce moment. C'est pas bon du tout. Il faut demeurer à la naturelle avec de vrais cheveux, pas de faux, mais de vrais. Vos cheveux originaux. Bon, on va dire vos cheveux originaux. Regardez, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voyez ici? On voit également une femme très belle. Quand on regarde les deux photos, on peut dire que là où elle est venue ici, son changement, ce changement-là, franchement, c'est une beauté extrême. Mais Dieu, il n'est pas compliqué. Cette nouvelle beauté que tu as ici, si c'est une beauté qui est venue parce que il fait froid chez toi et que ta peau a changé de couleur toute seule, sans intervention chirurgicale ou de produits chimiques, il n'y a pas de problème. On ne parle pas de ça ici, on ne parle pas des gens qui sont vraiment qui sont uniques et qui ont eu des changements comme ça. Mais on parle des personnes qui ont décidé par elles-mêmes de changer quelque chose à leur nature, à leur corps, à leur peau, ou à quoi que ce soit qui se trouve sur elle. Par exemple, la fille a dit que mes seins sont trop petits. Il faut que j'augmente mes seins. Par exemple, le monsieur l'a dit, j'ai l'impression que mon sexe n'est pas aussi gros que ça doit l'être. Il faut que j'agrandisse ma partie génitale. Ça là, c'est mauvais de chez mauvais. Si ton sexe est petit, ou c'est grand, ou c'est énorme, ou c'est trop grand, tu veux diminuer, qu'est-ce que tu cherches à faire? C'est comme si quelqu'un va dire que tu demandes, tu tentes de dire à Dieu que Dieu t'a mal fabriqué. Dieu sait ce qu'il fait. Si Dieu t'a fabriqué comme tu es, c'est que ça plaira à quelqu'un. Et c'est à Dieu que ça doit plaire en premier lieu. Et comme ça a plu à Dieu au commencement, c'est pourquoi il a dit que tout ce qu'il a créé était bon. Donc toi, tu dois honorer la parole de Dieu et te voir comme une bonne personne. Une personne propre, sans défaut. Sinon, à cause du péché, on parle de défauts physiques. Prends-toi comme tu es. Prends-toi comme tu es. Mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu, là, on nous a dit qu'il y a un homme qui était né aveugle. Mais un jour, Jésus-Christ passait. Est-ce que vous pensez que Dieu, il ne voit pas clair? Dieu, il a vu sa situation. Les disciples de Jésus-Christ lui ont posé la question de savoir, mais dis-moi, dis-nous, Seigneur Jésus-Christ, pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché qu'il est né aveugle? Le Seigneur Jésus-Christ a dit non. S'il est né aveugle, c'est pour la gloire de Dieu qu'il est né aveugle. Et Dieu a fait le miracle. Ses yeux se sont ouverts. Ça veut dire que si tu as un problème sur toi, un problème corporel, tout ce que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Ton corps là, c'est le temple de Dieu. Tu ne dois pas utiliser ton corps pour faire n'importe quoi. Et tu ne dois pas présenter ton corps là à n'importe qui. Tout le monde va nous passer là-bas. Non, toi aussi. Comment tu fais? Tu es pour la gloire de Dieu, oui ou non? Oui ou non? Ne laisse pas le diable t'utiliser. Ne laisse pas le diable te manipuler, t'appuyer. C'est toi si on en appuie au quartier. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment te donner de la valeur. Tu es le temple de Dieu et tu es fait pour la gloire de Dieu. Dieu veut te transformer aujourd'hui. C'est pourquoi il te parle au travers de cette vidéo pour te dire,
Si tu te prépares à les te dépigmenter, même à dépasser le niveau souhaité, arrête. Regardez. Waouh. Et ça devient vraiment populaire. Ça devient très connu. Regardez la différence. Waouh. La différence est de taille ici, hein. Regardez. La différence est vraiment de taille. On a l'impression que c'est au niveau du visage, il y a eu des déformations. Ou est-ce qu'elle a grossi de façon naturelle? Si tu as grossi de façon naturelle, qui va te condamner pour ça? Qui? Mais ne va pas faire des chirurgies esthétiques pour changer quoi que ce soit. Nous allons vous dire quelque chose, nous allons vous raconter une histoire. Un jour, il y a une femme. Elle voulait plaire à son mari. Et elle a remarqué que son mari, qui était milliardaire, il aimait beaucoup les félins. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un félin, ce sont des animaux qui font partie de la famille des chats, des lions, des panthères. Vous voyez un peu? Voilà. Et elle a vu que son mari aimait beaucoup les panthères ou encore les félins. Ah! Elle dit, puisque cet homme aime les félins et que moi-même j'ai de l'argent pour l'impressionner, pour lui faire plaisir, je vais aller voir un chirurgien et on va me refaire le visage. Me relooker le visage, une dimension extraordinaire, de sorte que cet homme soit impressionné. Je vais lui montrer ce que je sais faire. Et je vais lui montrer quelque chose aujourd'hui là. Et elle allait voir les chirurgiens. Eux aussi, ils ont pris les marteaux. Ils ont pris les pilons, les clous. Et ils ont commencé à faire les tapages. Résultat final. Elle a sorti à la machine. Ça n'a pas réussi. Au lieu de trouver une panthère, c'est autre chose. Quand son mari a vu ça, tout de suite, il a laissé tomber. Il dit non, 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 tu n'es plus ma femme. Parce que son visage n'était plus le visage souhaité. Cette histoire l'a plutôt détruit et ça l'a ruiné en même temps. Elle a mis pour investir beaucoup d'argent dans cette histoire. En plus, son mari l'a laissé. Elle s'est retrouvée plus tard à la rue, sans rien, dans la pauvreté. Et regardez ce qui s'est passé. Si tu veux te pigmenter, peut-être que la pommade que tu vas utiliser là va te causer des problèmes. Fais attention! Fais attention! Nous sommes en train de te prévenir du danger. Il ne faudrait pas qu'après t'être pommadé, après tu te retrouves dans les problèmes. La fille là, elle a deux couleurs, elle ne sait même pas comment ça se passe, comment ça se fait. Et c'est visible. Mais on sait comment tu étais avant et comment tu es devenu. Quelle est cette mutation? Est-ce que c'est parce que tu avais envie de séduire le monde entier que tu as fait ça? C'est inutile. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, c'est inutile. Reste à la naturelle. Toi-même, la foutre. Mais quand même, dis-toi que tu es beau. Dis-toi que Dieu t'a bien créé. Si toi, tu ne te dis pas que Dieu t'a bien créé, qui va te dire que Dieu t'a bien créé? Ne t'attends même pas à ce que quelqu'un vienne te dire que tu es bon, mais tu es joli. Tous ceux qui ont te dire que tu es bon, là, sont des menteurs. La vraie personne qui peut t'aider à voir vraiment qui tu es, c'est Dieu. Et c'est Dieu seul que tu dois chercher à plaire. Sinon, personne d'autre. Aucun humain. Tu m'entends bien? Aucun. Sinon, personne. Sinon, Dieu seul. Sinon, Dieu seul. Voilà. Ah! Frères et sœurs, que Dieu bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo va prévenir du danger. Va vous aider à ne pas commettre une bêtise. Prenez soin de vous. Nous approchons de la fin de l'année. Il faut que nous vous disions toutes ces histoires extraordinaires afin de vous garder du danger. Parce que toutes ces histoires comme la dépigmentation, sachez automatiquement, immédiatement que c'est le diable qui est derrière tout ça. Il veut forcément que les humains ne ressemblent plus à Dieu. Même quand un sorcier est initié, ce qui se passe, c'est que dans l'initiation, son vrai esprit ou encore l'esprit de Dieu qu'il a reçu est enlevé en lui. Et c'est un démon qu'on remet en lui. Sinon, plusieurs démons. En ce moment-là, cette personne n'est plus la même personne. Elle devient une mauvaise personne. Une personne qui va à 100% déplaire à Dieu.
Sinon, ce sera la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui va tellement déborder que Dieu lui-même va décider de vous aimer encore. Mais laissez-moi vous dire, quel que soit votre état d'âme, votre couleur de votre peau, Dieu vous aime. Il peut vous sauver. Il peut vous aider. Il faut vous repentir aujourd'hui. Il faut changer vos voies et revenir à Dieu. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous. Ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo. Abonnez-vous et soutenez-nous. En cliquant sur Alliance Rebond aussi, vous aurez tout simplement accès à notre page d'accueil. Vous allez voir Alliance Rebond 2, Alliance Rebond 3 sont deux autres chaînes qui nous appartiennent. Abonnez-vous et soutenez-nous. Ça va être chaud. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Alliance Rebond. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh!